Et salut tout le monde, c'est PokGeratineX. On se retrouve pour un nouveau let's play sur Pokémon version Ruby en randomizer. On commence. Groudon. Nouvelle partie. Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde Pokémon. Je m'appelle Seiko. Notre monde ici m'appelle le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Un Brizegali. Ce monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Nous les humains vivons avec les Pokémon. Ils n'arrivent de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier, je suis chercheur. Et toi? Qui es-tu? Bah, je suis un garçon. Très bien, je m'appelle. PokGeratineX. Non, je m'appelle simplement Giratine. Ou bien Youssef, c'est plus mieux. Parfait. Tu t'appelles Youssef? Ouais. Ah, mais c'est vrai. Tu es Youssef, tu viens d'arriver à Bourg-en-Vol. Où j'habite. Je me souviens maintenant. Bon, comment te sens-tu? Tu es sur le point de commencer une aventure unique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures. Rempli de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard. Viens me voir au labo Pokémon. On commence. Allez, on commence. On est là, chouchou. C'est fatigant de voyager avec les meubles dans le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourg-en-Vol. Tu trouves ça, maman? C'est notre nouvelle maison.
Ça paraît un peu pittoresque, même agréable à vivre, tu ne trouves pas? Alors Youssef, c'est joli ici, non? Les Pokémon déménagères font tout le travail et nettoient après. C'est vraiment pratique. Youssef, ta chambre? Allez, vite! On règle l'horloge. Et il est fini le déménagement aussi en bas. Ces déménagements Pokémon sont vraiment très pratiques. Oh, assure-toi que tes affaires se trouvent bien sur ton bureau. J'ai un Dreamcast. Youssef, viens vite, viens voir ça. Regarde, c'est la reine de Clémentville. On va peut-être voir papa. Journaliste, ce reportage va être... Blablabla. On va dans le labo du professeur. On va dans... Non, non. Bonjour, qui es-tu? Tu es Youssef, nos maisons sont voisins. Notre fille a le même âge que toi. On va voir. Pokémon en pleine santé, objet prêté. Hein, qui es-tu? Tu es Youssef, donc tu es amené aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchanté de te rencontrer. J'ai rêvé que tous les Pokémon du monde ont eu devenu mes amis. J'ai entendu parler de toi, Youssef, par mon papa, le professeur Seko. On va... Oui, se trouve le professeur ici? Quelqu'un crie sur cette route? Je l'entends. Que dois-je faire? Que nous devons-nous faire? Quelqu'un doit aller l'aider. À l'aide! Le professeur! Salut, toi là-bas! Je t'en supplie, aide-moi! Dans mon sac, il y a une Pokéball. Oh. Un Entei! Pas vrai. Un... Au Balti, un ferisson. Je vais pas choisir les légendaires. C'est un choix difficile. Est-ce que au Balti était. Donc, je vais choisir ferisson. Son go hypnose balambre danse plus. Je vais utiliser balambre. Ce n'est pas très efficace. Pied sauté. Voilà. Il a gagné 15 points d'expérience. Professeur Seko, ouf. J'étudie les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessous. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh, c'est toi Youssef? C'est pas l'endroit pour discuter. Passe me voir au labo Pokémon, ok? Professeur Youssef, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore ton propre Pokémon. Mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines. Après tout, je sais ce que je veux faire. Pour te remercier, je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Youssef reçoit Ferisson. Ouais. Si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Ferisson. Je vais le renommer
Je vais le renommer... Quoi? C'est un choix difficile de renommer un Pokémon. Je vais le renommer... Je veux pas le renommer ce Pokémon. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Et ce moment, Flora étudie dans les Pokémon sur la route 103. Ce serait une bonne idée d'aller voir Flora. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, super, fera plaisir Flora. On va voir le... notre Pokémon fleurissant. Il est de type psy, car j'ai randomisé les ronds. J'ai randomisé les types, plutôt. Ouais, et la hypnosie, balle ombre et danse bleue. Pas mal. Sa capacité spéciale, c'est brasier, augmente attaque feu. Jovial de nature. Pas mal. On va dans le route 101. On étudie nos Pokémon. Allez vite. On monte un peu le niveau de fleurissant. Interpod apparaît. Fleurissant, go. Je vais utiliser balle ombre. Ça n'affecte pas. Twitch. C'est quoi ça? On va aller Flora. On va monter le un peu le niveau de fleurissant. Oh, un fortress. Fleurissant. Go! Je vais utiliser balle ombre. Balle ombre. Le fortress ennemi Echo. Fleurissant a monté au niveau 6 et là il a pris la capacité zénith. Pas mal. Un autre Pokémon. Un Kikle. Oh, j'adore ce Pokémon. Malheureusement, j'ai pas de Pokéball. C'est quoi? Balle ombre. Balle ombre, allez. Je vais utiliser balle ombre une autre fois. Fleurissant gagné 59 points d'expérience. Elle a monté au niveau 7. Pas mal. On fait un autre combat. Un arco. Je vais utiliser. Oh, super efficace. Pas l'ombre. Mmh.
cool. On va soigner le Pokémon. Je vais aller soigner mon Pokémon. Merci d'avoir entendu Pokémon Tien sans faire fond. À la bientôt. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'amener avec moi. C'est une boutique Pokémon. On la reconnaît à son toit bleu. Nous vendons divers produits, dont les Pokéballs pour attraper les Pokémon. J'aimerais que tu prennes ça comme si c'était une offre promotionnelle. J'ai obtenu un potion. Bien. J'ai pas d'argent. Ah, j'ai de l'argent. On va aller chez Flora. Un forteresse apparaît niveau 3. Allez, vite. Un Rokul. Je vais le tuer. Balle ombre. Super efficace, cool. Je crois qu'il est des gypsy. Flora, voyez le Pokémon trouvé sur la route 103, comprenne. Salut Youssef. Oh, je vois mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on n'a qu'à se faire un petit combat. Et je vais te montrer ce que c'est qu'être un dresseur. Un combat contre Flora. Entei. Je vais hypnoser. Non, mais c'est quoi ça? Balle ombre. Oh. Allez, balle ombre. Oui. Super efficace. Bourraha. Balle ombre une autre fois. Entei. Pokémon légendaire de type feu. Mais les types sont différents. J'ai randomisé les types. J'ai tué un Pokémon légendaire. C'est ça. C'est génial, Youssef. Tu as beaucoup de talent. Il a monté au niveau 9. J'ai de la chance. Peut-être noyé. On montre le niveau de frisson au niveau 10. Balle ombre. Frisson monté au niveau 10. On va voir les statistiques de notre Pokémon Frisson de type Z. PV 39, attaque 25, défense 19, attaque spéciale 10, défense spéciale 28, vitesse 8. Bien, hypnose, danse pluie, balle ombre, zénith. Pas mal. Anarcho. Dommage, j'ai pas de Pokéball. Si j'ai de Pokéball, je vais le capturer. On va. Flora Husser, par là, vite.
On va dans le labo de professeur. Allez, vite, vite fait. Bien fait. Débutons. Ça suffit, j'ai montré le niveau, récent au niveau 10. On va dans le labo de professeur pour obtenir le Pokédex et 5 Pokéballs. Professeur Seko, oh bonjour Youssef, il apparaît que tu as battu Flora. Belle performance. Tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora, mais dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens Youssef, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex tu seras plus utile qu'à moi. Oui, j'ai reçu le Pokédex. Le Pokédex est un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou rattrapés. Flora amène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient chercher sur le terrain pour me le montrer. C'est super, Youssef, toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial. Ouais, j'ai tourné 5 Pokéballs. Je vais aller capturer le premier Pokémon. Après ça, je vais stopper l'épisode. On prend les chaussures de sport. Oui, j'ai obtenu les chaussures de sport pour marcher plus vite. Oh, ils sont beaux. On va maintenant. J'ai 5 Pokéballs. Pas mal. Non. On va capturer un Pokémon. Ah oui, ou alors. Non, Switch. J'espère qu'un Pokémon. Un Porygon. Non. Un autre Pokémon, s'il vous plaît. Non. Intéressant, go. Un kick-clé. Menu pion, je vais le capturer. Non. Oh, juste Pokémon. C'est quoi ça? Un arco, je vais le capturer. Et les femelles. Je vais pas utiliser un attaque car. Je vais utiliser Hypnosis. Maintenant je vais utiliser une Pokéball. On va pas utiliser une capacité.
C'est quoi ça? Attends, je vais sauvegarder la partie pour... Allez. On va utiliser un autre Pokéball. On va essayer d'utiliser Balombre. Allez, allez. S'il te plaît. Non, je vais utiliser Pokéball. Ouais. Akko est attrapé. Donne un surnom à Akko. Je vais le renommer. Il est un femelle. Je vais le renommer. Comment? Je vais le renommer écureuil. Non. J'ai pas vu son type. Attends. Plante. Écureuil plante. Non. Je vais le renommer. Comment? Je vais le renommer quoi? Grace. Grace, c'est le plante en anglais. Grace bug. Bug. Allez. Quel type? Feu vol. Mmh. 16 PV, attaque 7, défense 7, attaque spéciale 8, défense spéciale 9, vitesse 9. Il a extra senseur et taillard. Sa capacité spéciale augmente attaque plante. Pas mal. Viens un Pokémon type psy, Pokémon de type feu vol. Pas mal, je vais aller soigner maintenant Pokémon. Allez vite. Donc les amis, on va stopper l'épisode juste ici. Juste ici, cette entrée où... Ouais. Là, le premier let's play. Allez, on va stopper l'épisode ici. À la prochaine épisode. À plus, à plus. À plus ce monde.